Avant que la vidéo commence, c'est le Black Friday. Et à cette occasion, on offre 10€, oui, 10€ de réduction sur le maillot du Vin Sky Football Club. Le lien est dans la description. Ça peut être une super idée de cadeau pour Noël, non? Go, go, go! Précédemment, nous avons concédé une nouvelle défaite contre Limay, mais on s'est relancé avec un match amical contre Bréval. Et on a enfin gagné notre premier match contre Ménil-le-Roi au cours d'un match tendu, gagné 1-0. Ok, c'était le match 5 de la saison, Raphaël était pas là pour filmer. Du coup, victoire aujourd'hui. 6-0. C'est bien beau. On continue de travailler. Bien bon. En tout cas, j'ai envie de 7-3. On garde la tête froide, les frères. On garde la tête froide. Le travail, et c'est à la fin qu'on célébrera. Salut tout le monde! Petit débrief du match de Gargenville. Pour le match de Gargenville, il y avait un petit truc. Le coach ici présent n'était pas coach. C'était le coach adjoint qui était là. Vas-y, je te laisse au début parler. Du coup, on a gagné. Très belle victoire de l'équipe. Malgré que l'équipe en face était à 10 et du coup, c'était beaucoup plus facile pour nous quand même. Il était obligé de dire ça. En plus, c'était notre première fois sur le terrain, alors terrain 4 de la Butte Verte. Terrain de baseball. Ah, un terrain incroyable avec pas de banc de touche. Donc Romain ici présent gérait les remplaçants qui étaient par terre, assis. C'est très compliqué, j'avais peur pour l'intégrité de mes joueurs, même sur le côté. Moi personnellement, j'ai trouvé que ça faisait du bien pour les attaquants. Tout le monde a marqué, même les défenseurs, Abdé, tout le monde. Et l'attitude des gens de Gargenville, nickel, enfin, tout le monde était bien. C'était franchement un bon match, ça a fait plaisir. Ça a fait du bien moral surtout. Et du coup, là pour l'instant, ce qu'on en pense, c'est que Julien il sert à rien quoi. Ouais. Il est un peu trop froid, non? Vous êtes pas trop pour lui, tu sais qu'il fait moins 2 degrés, il est comme ça. Ouais, fais vite ton truc, on passe à autre chose. J'espère que ça va nous aider pour le prochain match. La confiance qu'on a eue, les buts qu'on a mis, on va essayer de faire encore mieux et encore d'évoluer. Parce que en soi, adversaire qui est Ils sont. Voilà, ils sont deux. Donc du coup, on verra bien ce que ça donne. Et on va essayer de se mettre en confiance pour la suite. On est le dimanche, je ne connais pas du tout la date d'aujourd'hui. Raïm, on est quel jour? On dit quelle date? Dimanche 24. Wow. 24. Oh, putain, c'est l'anniversaire d'Adrien d'ailleurs. Voilà, hey, joyeux anniversaire Titi, dans les commentaires au maximum. Joyeux anniversaire Titi, parce qu'aujourd'hui il a... Devinez l'âge de Titi dans les commentaires. Voilà. Derrière moi, il y a le terrain sur lequel... Alors, ils vont jouer, pourquoi? Parce que regardez, je ne suis pas en tenue, Raïm il est en tenue, vous comprenez très vite que je ne vais pas jouer. Pour la simple et bonne raison que vendredi dernier, j'ai repris un gros entraînement, plus un gros tournage, et en fait, je me suis fait une contracture. Donc il n'y a rien de grave, mais c'est juste que si je joue aujourd'hui, je risque d'aggraver cette blessure. Du coup, on sera 13 aujourd'hui, 2 remplaçants. De toute façon, pas de regret, parce que même si vendredi, j'avais dit que j'étais pas dispo, il n'y avait pas d'autres joueurs pour m'en passer, parce que l'infirmerie est pleine. Elle est pleine à craquer. Ok, donc on est avec Tom, qui revient d'une grosse blessure. Ouais. Combien de 3 semaines, ça je crois fait, de... ouais, 3 semaines, 3 semaines et demie. 3 semaines de blessure, donc ouais. Là, c'est un plaisir de revoir Tom. Bah ouais, ça fait un grand plaisir de te revoir, de revoir le coach hein, qui m'a mis sur le banc, donc du coup, tu vas voir. Comment je pense que c'est plus au niveau du fait qu'ils reviennent, etc. C'est ça aussi. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, du coup, comme j'ai dit, on était 13 parce que moi, je pourrais pas jouer. Julien, un petit mot par rapport à ce match, je rappelle, face à Issou AS2. Voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Comment tu le sens? Bah, j'ai juste un tout petit peur, un petit peu peur de l'excès de confiance. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver après un 6-0 et tout. Si on donne pas tout ce qu'on a à chaque match, on frôle, on peut frôler, on peut perdre, on frôle la défaite, enfin voilà, faut vraiment donner. On va tout donner, on va tout donner. Donc, on va tout donner, on va tout donner. Moi, je dis, j'ai prédit un truc, Tom, dans la voiture. J'ai pronostiqué que j'avais Tom marqué un but aujourd'hui. Je l'ai dit à la précédente. Et bah, je le rentre pas. Bastias, là il revient en force parce que au début de la saison, voilà, il était à Nantes et tout, donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Là tu reviens en force là mon pote. Ouais, là je suis de retour là, définitivement en tout cas à Paris. Du coup je serai plus souvent là, aux entraînements déjà. Ouais, surtout que Bastias c'est vraiment le profil de joueur qui nous fait énormément de bien parce que c'est vraiment le MOC qui sait énormément dribbler, il adore ça. Des fois peut-être un petit peu trop des fois, un peu trop, lui dit souvent, mais voilà, il a compris maintenant, je pense qu'il a très bon entraînement. Bon Vince, on rentre dans un cercle, on va aller voir les 2000 un petit peu. Les gars, rapidement, comment vous sentez aujourd'hui? Bien? Bien, physiquement. Bien physiquement, on veut juste gagner. Bouillon, on veut gagner. Moi j'ai bien dormi. En tant que défenseur, pas prendre de buts. Hein. Ouais, ça va. Ah ouais, deux clean sheets d'affilée. Dans la voiture, on se disait quoi? Jamais 203. Dans la voiture, on se disait quoi? On voulait qu'on fasse 3 clean sheets d'affilée. Ça serait fou. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif déjà, c'est pas de prendre de buts, on pouvait essayer de défendre ensemble. Après, moi, sur lui, ça me dit, il parle. Il parle comme s'il était défenseur. Plein devant aussi. Il doit remonter et après, on verra. Il parle comme s'il marquait tous ses faces. Et devait te tuer. Excellent, Mathias, bien joué. On check, now we going way up. W's as easy as a layup. Fucking late, stay up.
energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Ran off from my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. I'm trying, now we buy a layer. Got the use as easy as a layer. Working late, stay up. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. Don't be used as easy as a layup. Fucking late, stay up. Dédicace à Aruna, il m'avait demandé sur Insta. Dédicace. Raïm, il m'a bikram au moins 4 fois. 4 fois, Raïm. Raïm, c'est un pro-cœur. Tout ça pour faire n'importe quoi. Bon, du coup, fin du match, score final 8-1, les gars. 8-1. Et c'est un enfoiré. Autant pour moi, je ne savais pas que ça tournait. Les gars, rapidement, petit bilan de ce match face à Issou AS2. Pour aller bien fort. Bah, très bon score pour se mettre en confiance, mais encore beaucoup de choses à revoir quand même. Il y a des choses à revoir. Après, pour la confiance de l'équipe, ça fait du bien. Et pour le prochain match, ça met en confiance. Ça met vraiment en confiance. Ouais, surtout qu'on est quand même sur 4 victoires d'affilée si on compte le match amical qu'on avait fait face à Bréval, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien pour la confiance, c'est actuel. On avance défensivement, c'était carré. Offensivement, on a eu deux postes derrière, Ibra et, ouais. Et Fabio. Ibra et Fabio, devant, ça, et deux gros bébés. C'est en train de monter. Donc, offensivement, on a quand même quelques petits trucs à revoir quand même. Oh, petit. Petit, moyen. On a des choses à revoir. Une taille, on va dire ça. On va dire ouais. Ça comme ça. Donc, c'est de bonne augure pour la bien. Suite. Ça travaille bien. Et surtout, la bonne humeur, elle est là et elle n'est pas partie depuis qu'on est bien. Donc c'est cool. Prochain match, c'est face à Vauxoise. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, dimanche prochain, à domicile. À domicile. Voilà, on se tient au courant pour le prochain match.
Alors mon impression sur le match, c'est super simple. J'ai fait une heure de route pour commencer en remplaçant. C'est génial, j'adore ça. C'est super, franchement, un top match pour moi. C'est génial. Raïm, un micraveur, mais de loin. Mais de ouf. Mais sinon, moi je suis content, j'ai mis mon petit but. Et premier but. Premier but. Premier but pour Tom. T'avais misé? J'ai pronostiqué que j'avais Tom marquer un but aujourd'hui. T'avais misé? Non, mais ouais, c'est vrai que j'avais quand même parié sur un but de toi. Donc merci d'avoir marqué. Pression. Ouais, ouais. Très plaisir, merci, c'est validé, ça, ouais, c'est coché. C'est validé. C'est la fin de l'épisode 6 de l'histoire du Vin Sky Football Club. J'espère que tu l'as apprécié. Comme d'habitude, c'est super important. N'hésite pas à liker la vidéo pour soutenir l'équipe, pour soutenir le travail de tout le monde. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de notre début de saison et abonne-toi. Allez, à très vite, c'était Vin Sky. Comment Vin Sky FC.